C'est en octobre 2021 que le Gabon a réintégré l'ITE, se classant alors 56e pays au niveau mondial et 27e en Afrique. Cette institution a notamment pour mission d'organiser la collecte et la publication des données issues des industries extractives conformément aux dispositions des textes en vigueur. Depuis sa nouvelle adhésion à l'initiative pour la transparence dans les industries extractives, le Gabon n'a pas encore produit le rapport sanctionnant la publication de ses états conformément aux normes de l'ITE. Pourtant, après sa suspension en 2013 et à la suite de son retour en octobre 2021, le pays avait pris l'engagement de satisfaire cette exigence en publiant le rapport. Le mois de soumission de ce rapport est donc attendu pour juillet prochain. À ce jour, 4,27% des actions allant dans le sens des déclarations des recettes des industries extractives sont déjà disponibles. Les deux prochaines étapes pour le Gabon sont désormais la production du rapport ITE et le démarrage de la première validation qui doit être réalisée au plus tard le 1er juillet 2024.